12 cégeps de régions éloignées ont créé un regroupement afin de mieux représenter leurs intérêts. J'ai assisté à la conférence de presse et voici ce que je vous ai préparé. 12 cégeps de régions éloignées répartis dans 5 régions administratives, soit la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi-Témiscamingue, ont annoncé le 9 mars dernier la formation du regroupement des cégeps de régions afin de mieux représenter leurs intérêts communs. Ce regroupement est né suite au nouveau cadre de formation collégiale mis en place au début 2020 par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui désavantageait les cégeps de région. La démarche proposée et mise de l'avant par le ministère pour ses travaux faisait en sorte que les analyses des devis scolaires, soit le nombre d'étudiants autorisés par cégep, et l'étude pour l'autorisation de nouveaux programmes de formation débutaient avec les cégeps du RMR, la région métropolitaine de recensement de Montréal, pour se terminer avec les cégeps des régions éloignées, qui serait le dernier groupe à être analysé plusieurs mois, voire 2 ans après le début des travaux. Dès ce moment, en février 2020, les directions générales des 12 cégeps avaient alerté le personnel du ministère du fait que cette façon de procéder comportait plusieurs effets inquiétants pour nos régions. Conséquemment, nous leur demandions de revoir la démarche afin d'inclure la voix de nos cégeps tout au long des travaux. Quels sont les objectifs du regroupement? Fournir un espace de concertation dans le but de positionner et faire évoluer une offre de formation collégiale diversifiée, attractive, innovante et ancrée au sein des régions du Québec. Agir comme interlocuteur de première ligne auprès de notre ministère et d'autres partenaires socio-économiques afin de favoriser une consultation proactive. Faire valoir publiquement nos positions pour assurer la présence et l'équité pour les cégeps des régions dites éloignées. Solliciter l'appui des acteurs importants du réseau de l'éducation et du développement des régions du Québec. Confirmer notre positionnement d'accueil d'étudiants du Québec et de l'étranger avec des infrastructures appropriées, modernes et offrant une expérience étudiante unique. Et finalement, contribuer activement à la croissance des régions par une plus grande diversité des programmes offerts, par une meilleure attractivité de nos institutions et par une offre variée d'interventions en recherche appliquée. Et concernant les avantages? Alors, d'avoir ce lieu d'échange-là, pour nous, c'est un avantage indéniable. C'est aussi une porte d'entrée pour toutes les régions, les partenaires dans les régions qui souhaitent avoir notre contribution comme cégep. Donc, vous savez maintenant qui rejoindre. Et je dirais que le dernier avantage, et non le moindre, c'est d'avoir une voix unique auprès du ministère. Alors ça, vraiment, ça, on l'a vu, Mme McCann a été très attentive à nos besoins. Alors, c'est un avantage important pour nous. Des gains ont déjà été réalisés depuis la formation du regroupement. La démarche que le ministère avait choisie d'utiliser pour analyser à la fois les devis scolaires et les autorisations de programme, qui était une démarche en séquence, en silo, avec 4 groupes. Et les cégeps des régions dites éloignées, nous étions dans le 4e et dernier groupe. Alors déjà, le fait de s'être regroupés, d'avoir parlé d'une seule voix auprès du ministère, d'avoir l'appui de nos conseils d'administration, a fait en sorte que le ministère a changé sa façon de travailler et que maintenant, les comités de travail évoluent en parallèle. Alors, tout le réseau du Québec a des défis, a des besoins qui sont différents, mais nous, on pense que les cégeps des régions éloignées, on a des défis en commun et qu'on a tout intérêt à faire partie des discussions dès le début et non pas dans un 4e et dernier groupe. C'est une grande diversité de formations, lieux d'enseignement et d'étudiants qui sont représentés avec ce regroupement. Pour le cégep de la Gaspésie et des Îles, Yolaine Arsenault, directrice générale, nous en donne une idée. C'est 5 lieux d'enseignement, un à Gaspé, à Grande-Rivière, à Carleton-sur-Mer, aux Îles-de-la-Madeleine et un campus à Montréal dédié à la formation continue pour des étudiants étrangers. C'est 1050 étudiants à la formation régulière, dont une centaine en temps hors pandémie proviennent de l'international et 300 de l'extérieur de la région. C'est 32 programmes d'études dans le programme exclusif technique de tourisme d'aventure qui est offert en anglais et en français. C'est un secteur anglophone au campus de Gaspé, une école nationale en pêche et aquaculture. C'est un service de formation continue et de formation en entreprise connu sous le nom de groupe collégial en partenariat avec le Cégep de Matane et le Cégep de Rivière-du-Loup.
C'est un service de formation continue en pêche. Finalement, c'est aussi 300 collégiaux de transfert technologique, dont un en développement durable, un autre en énergie renouvelable et un troisième en pêche et aquaculture. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, 12:30, jouez à votre super télé-bingo.